Salut. On a fait une rétrospective des œuvres de ton père. En aussi peu de temps? Ouais, on a repris des documents de sa dernière expo il y a 2 ans. C'est bien. Je regrette seulement qu'il n'ait pas connu la gloire de son vivant. La 2 en gros plan de face. C'est à toi. L'artiste peintre Daniel Haïm est mort à la suite d'une longue maladie. C'était le père de notre ami Leroy. Nous allons terminer cette émission par quelques images de ses dernières œuvres. On va ranger le matériel. Tu restes là? Ouais. Alors je passerai te voir tout à l'heure. Aïe! Hey, mais t'es pas bien. Et tu bouges ton colline, ouais? On n'a pas eu l'occasion de parler depuis 2 jours. Je pars demain aux États-Unis présenter notre film au Festival du court-métrage étranger. Tu pars demain? Oui. Et je vais rester là-bas 1 mois environ. Génial. Et garde le moral parce qu'à mon retour, on fera plein d'autres films ensemble. Je sais pas ce qu'elle vaut, mais en tout cas, elle en jette. Je croirais pas, mais elle est vachement puissante. Elle a un look d'enfer. Et qui c'est qui lui a dégoté ce plan? C'est toi. Je suis le roi de la combine, mon vieux. Il l'a payé une bouchée de pain, 1/3 du prix. Où ça? Chez un pote. T'as pas besoin de savoir qui c'est. Et moi, tu pourrais pas m'en trouver une? Tu me vois l'amener chez ce gars-là, allez. Gris, s'il vous plaît. Tenez. Elle est dans quelle catégorie? Motocross et une tout-terrain. Vous l'avez acheté quand? Je sais pas, il y a 1 semaine. Je dois vérifier le numéro du moteur. Bien, vous allez me suivre. Il y a un problème? Le numéro ne correspond pas à celui de la carte grise. Ça va, je peux descendre tout seul. Dans la poche de droite, regarde et pleure. C'est qui Tom Cruise? Ça va les mecs? Salut, on se fait une partie? Vous n'avez pas terminé? Ça fait rien, on recommence.
Alors, faut allonger combien ? Rien, on s'en fait une pour le plaisir. Et depuis quand tu joues pour le plaisir, toi ? 10 sacs la partie, ça va ? Tu vas perdre de l'argent. Belle ouverture. Attends, t'as fait exprès de la rater là ou quoi ? Hé les mecs, je vous ai pas demandé de me laisser gagner, hein ? Bah alors, t'étais où hier ? Je t'ai cherché partout. Laisse tomber, j'ai eu des galères. J'étais parti faire un tour et en revenant, je me suis fait arrêter par les flics. Et il se trouve que le numéro de la bécane ne correspond pas au numéro de la carte grise. Ils m'ont embarqué pour me faire passer un interrogatoire. Ils m'ont demandé où je l'ai acheté et comment ça se fait que c'est pas le bon numéro de série. Je leur ai dit que je l'ai bidouillé et que j'ai monté le moteur d'une autre bécane. Mais ils m'ont pas cru. Ils me laissent jusqu'à demain pour balancer le nom de ton pote, sinon c'est moi qui suis dedans. Ils peuvent te mettre en prison ? Je sais pas, mais je leur dirai rien. Salut, code 9. Il y a un problème. Mon copain s'est fait serrer par les flics. C'est une blague, j'espère. Non, c'est sérieux et il est très mal. Comment ça se fait que tout le monde passe nickel et lui, il se fait coincer ? Il a parlé ? Non, il te balancera pas. Il a intérêt à la boucler. T'en fais pas, il a qu'une parole. Je sais d'expérience qu'il n'y a pas de parole qui tienne. Si jamais il parle, je vais en tôle. Et je te préviens, si j'ai des ennuis, je ne serai pas le seul à plonger. Toi aussi, tu vas plonger pour complicité. Que vous passiez un moment inoubliable. Bonjour. Je suis intéressé, j'ai vu votre numéro dans le journal. Et combien ça coûte ? C'est d'accord. L'adresse, c'est le 16 rue Kaplan. Vous lui dites juste en face du marché. Merci. Une fille ? Ah oui. Entre, je t'en prie. Où est-ce que ça se passe ? Là, sur le canapé ? Je sais pas, c'est toi qui choisis. C'est la première fois que tu fais ça. Ouais. Comment tu t'appelles ? Leroy. Leroy, moi je m'appelle Sophie. Qu'est-ce qui te ferait plaisir ? En fait, je crois que j'ai surtout besoin de parler à quelqu'un. Pas de problème, on va s'asseoir. Tu n'as jamais couché avec une fille ? Ça n'a rien à voir, j'avais besoin de compagnie. Je peux savoir ton âge ? J'ai presque 18 ans. Tu vis dans ce grand appart tout seul ? Ouais. C'est bien, t'es quelqu'un d'indépendant. Ah, on peut dire ça. Toujours pas envie ? Si, évidemment, mais on pourrait peut-être attendre de se connaître. J'aurais bien aimé, t'es vraiment adorable, mais j'ai qu'une demi-heure. Et si je te paye pour une heure entière ? Ah ! Je vous jure que c'est pas moi ! Arrêtez ! Arrêtez, je vous dis, c'est pas moi ! C'est drôlement bien et tu fais ça dans le cadre de tes cours ? Oui. Je suis sûre que tu vas devenir une star. Qu'est-ce que t'es mignon. Laisse-moi te faire du bien avant de partir.
Alors, ça baigne? Et avec les flics? Je suis convoqué après-demain. C'est bon, arrête de stresser, je suis pas une balance. Alors, tu me trouves une bécane? Je me suis déjà acheté un casque. Et toi, tu me lâches avec ça, t'as pigé? Oui, allô? Allô, salut Sophie, ici c'est Leroy. Hey, comment tu vas? Bien, mais tu me manques. Dis, je voulais savoir, t'as un truc de prévu ce soir? Ça dépend, à quelle heure? Je sais pas, en début de soirée. 9h30, ça marche? C'est parfait. T'en fais une tête. Assieds-toi, on partage. Non, merci, j'ai pas faim. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai fait une grosse bêtise. Je veux pas que tu m'engueules, d'accord? Commence par me raconter ce que t'as fait. Voilà, j'ai mis David en contact avec un mec qui vend des bécanes pas chères, mais ce que je savais pas, c'est qu'il est certainement volé, il s'est fait arrêter avec. Il fait dans le recel, maintenant. Il a rien dit aux flics pour pas me mouiller, ils vont lui faire porter le chapeau. Bon, première chose, David est ton meilleur ami, alors tu ne peux pas le laisser tomber. Tu clames partout qu'il est comme ton frère, alors c'est le moment de le prouver. Allez, dis-lui de venir. On va essayer de trouver une solution. Tu vas chez les flics et tu leur racontes tout depuis le début. Je sais que c'est pas glorieux, mais t'as pas le choix. Et de toute manière, ils le choperont un jour ou l'autre. Pas question, j'ai dit que je donnerais personne. Arrête de te prendre pour un héros, t'es pas dans l'un de tes films. Je suis comme toi, je supporte pas les balances. Mais là, le mec est un voleur, il t'arnaque. Et c'est toi qui dois porter le chapeau. Si on le balance, il va nous tuer. Ça, c'est ce qu'il dit pour t'impressionner, mais il bougera pas le petit doigt. Je les connais, les mecs dans son genre. Ça joue les caïds, mais le jour où il faut y aller, il n'y a plus personne. Il t'a vendu une moto volée, il le savait, il a qu'à assumer. Tu t'en vas déjà? Je dois me lever tôt demain, il faut que je sois en forme. Je crois que ce serait possible qu'on ait d'autres relations. Qu'est-ce que tu veux dire par là? La première fois que je t'ai appelé, c'était juste pour voir, mais... Mais je trouve qu'on s'entend plutôt bien, toi et moi. Écoute, Leroy, t'es vraiment un mec super, mais ta vie n'a rien à voir avec la mienne. C'est deux mondes différents. Ça pourra jamais marcher. Crois-moi, je te rends un grand service. Au revoir, mon ange. Tu trouveras la fille qu'il te faut. On vient du commissariat de police. Les mecs nous ont pris la tête comme si on avait tué quelqu'un. Et le type qui a vendu la bécane? Oh, celui-là, j'en ai rien à cirer du moment qu'il fout la paix à David. Et toi, la prochaine fois que t'as une bonne affaire, tu la gardes pour toi? Salut, Tommy. Je crois qu'on a deux mots à se dire. Bon, vous restez là? T'es au courant que grâce à toi, je suis dans le pétrin, hein? On pouvait pas faire autrement, on n'avait pas le choix. Tu m'avais donné ta parole, enfoiré! Hey, non, non! Ça va? Ouais, comment ils ont détalé? Deviens garde du corps, mon pote, tu vas te faire une fortune!
look at the city down below. J'imagine pas comme ça me déprime de voir la maison vide. T'es mieux comme ça. Rappelle-toi comme elle te pompait l'air. Ce divorce est une bénédiction pour toi. T'es pas un peu fou des fois? Bah, franchement, ça me plaît pas de rentrer à la maison et d'avoir personne pour s'occuper de moi. Mais qu'est-ce que tu veux de plus? T'es un homme libre. Tu peux aller où tu veux, quand tu veux, y a personne pour te demander des comptes. Une de perdue, 10 de retrouvée. Tu dis n'importe quoi là. Ça fait des semaines que je passe mon temps dans les bars pour célibataire. Eh ben crois-moi, y a pas une fille potable. Ou bien alors faut aimer les cartes vermeilles. Y a un plan. Sûr que ça marcherait. Pourquoi tu ferais pas une annonce vidéo? Imagine dans une agence matrimoniale. Ben c'est super, tu vois les cassettes les unes après les autres. Et quand il y a une fille qui te plaît, tu choisis. Il a raison, c'est une très bonne idée. Te fous pas de moi, c'est pas drôle. Mais essaie, qu'est-ce que tu as à perdre? Non, ça ne dit rien. Non, ça ne dit rien. C'est pas en restant les bras croisés que tu vas rencontrer quelqu'un, crois-moi. Jackie, tu commences à me saouler. Ah, écoute-moi, la vidéo, c'est l'avenir. J'ai là la liste des étudiants qui ne m'ont toujours pas remis leur projet de film. Anne, qu'as-tu l'intention de faire? Je pense reprendre ma dernière vidéo en l'étoffant un peu. Il n'en est pas question. Je vous rappelle que vous devez présenter une idée originale et pas les fonds de tiroir. Autrement, vous n'obtiendrez pas votre diplôme. Je suis un petit peu en retard, excuse-moi. Bien. Ceux qui ne veulent pas travailler n'y sont pas obligés. Passer ce soir? Ah ouais, bien sûr. À plus. Tu ne fais pas une déprime, j'espère? Non, ça va bien, merci. Et tu fais quoi en ce moment? Je fais un peu de guitare, j'ai écrit quelques morceaux. J'aimerais bien que tu me les fasses écouter. Ouais, avec plaisir. D'accord. T'as vu ta facture de portable? Je paierai, c'est pas grave. 1500 francs, ça fait une somme. Tu me prends pour quoi? Pour un milliardaire? Anne, c'est ton tour de t'occuper de la salle de jeu. Moi, pas question. Tu sais que c'est chacune son tour. Moi, je m'en occupe pas. C'est pas normal que tu prennes toujours les bonnes tables. Je suis la plus ancienne dans ce bar. Qu'est-ce qui se passe? Elle refuse de s'occuper de la salle de jeu. Et elle, elle invente son propre règlement. Fais voir la liste. Désolé, Anne, mais Millie a raison. Aujourd'hui, c'est à toi de t'en occuper. Elle aurait dû me prévenir plus tôt. Je t'avais prévenu. Arrêtez de vous disputer au travail et dans la bonne humeur. Allez. C'est ouvert. Comment tu vas? On fait aller. Ça va? Alors, t'as ressorti ta gratte? Mais j'essaie de mettre au point des morceaux. Je voudrais présenter une maquette. Au fait, t'as appris ce qui s'est passé avec David? Ouais, mais j'ai raté le plus drôle. Tu l'as dit, mais c'est pas tout. Betty aussi s'est pris la tête. Elle avait pas l'air en grande forme. Tu devrais lui remonter le moral. Et tu vas me lâcher avec ça. Sinon, c'est Alex qui va se dévouer. Millie.
manque de l'argent sur l'addition. Mais non, j'ai bien vérifié. Il devrait y avoir 65 francs, il n'y a que 50 francs. Ils avaient laissé 70 francs pourtant. Fais plus attention. Faut plus que ça se reproduise, ce genre de choses. Arrête, tu vas me faire tomber! Tommy, tu sors de là. Ben c'est bon, c'était pour plaisanter. Je ne trouve pas ça drôle du tout. D'accord, je n'en ferai plus. Tu prends la porte, s'il te plaît. L'un d'entre vous veut le suivre? Betty? Est-ce que tu vas bien? Oui. Tu en es sûre? J'ai des soucis, mais ça va s'arranger. C'est le type que tu vois en ce moment? En partie, oui. J'aime pas te voir comme ça. J'aurais dû casser il y a longtemps, ça m'apprendra. De toute façon, il se moque de moi. Il ne mérite pas une femme aussi bien que toi. T'inquiète pas, ça va s'arranger. Allô? Jackie? Comment tu vas, Franck? Comment veux-tu que ça aille? J'ai passé mon annonce vidéo, c'est vraiment nul. J'ai pas reçu un seul appel. Moi, c'est pas possible. 4000 balles pour être sur le fichier et pour avoir une cassette pourrie. Et pas une fille à l'horizon. Bon, faut que je voie la cassette d'abord. Passe à la maison. Bon, à plus. Salut, mec. C'était qui? Franck a fait une annonce vidéo, mais il a pas reçu l'appel. Si tu veux mon avis, il est pas prêt d'en avoir tant qu'il aura pas perdu de poids. Mais non, l'apparence physique, c'est pas tout. Il y a qu'à faire comme tout le monde, faut se bouger, il a qu'à aller en boîte. En boîte? Tu trouves pas qu'il a un peu passé l'âge? T'as une meilleure idée, toi? Bonjour, je m'appelle Franck, je viens d'avoir 35 ans, je suis divorcé et sans enfant. J'aime bien jouer au football, aller à la piscine et aller au restaurant de temps à autre. Je suis délicat, loyal et spontané. Je recherche une femme sérieuse, aimable, qui aime les enfants. Pour elle, je serai disposé à faire tout mon possible pour la rendre heureuse et à faire des efforts pour réaliser ses rêves les plus fous. Si tu me choisis, tu ne seras pas déçu. Pas étonnant que personne t'ait appelé. Et qu'est-ce que t'attendais? J'aurais voulu t'y voir, toi. Non, mais t'aurais dû t'habiller un peu mieux et puis pas prendre cet air benet. J'aurais surtout pas dû t'écouter. Je mets plus un franc dans ces conneries. Tommy, tu vas appeler ton copain Alex et lui dire de nous faire une cassette béton. Oh, fais-moi plaisir, tu m'oublies. Bah, arrête de dire n'importe quoi, il va te changer en playboy. Et attends, c'est pas non plus un magicien. Il fera ça les doigts dans le nez. Tu vas voir, tu seras une vraie gravure de mode. Eric, t'as une minute, s'il te plaît? Oui. Alors voilà, ça fait un moment que je compose des chansons et je voudrais bien les interpréter en public. Non, c'est trop galère, ça m'intéresse pas. Comment galère? Je serai tout seul sur scène, ça posera pas de problème pour le service. Très bien, quand? En fin de semaine, si tu veux. Je jouerai seulement les deux ou trois morceaux que je travaille en ce moment, pas plus. Tu t'occupes de l'organisation? Bien sûr. Entendu. Merci. Allez, salut. Salut. Anne, c'est quoi ce plateau là-bas? C'est Millie qui l'a laissé traîner. Et après, y en a marre de ces gamineries. Il file un mauvais coton en ce moment. Eric veut bien que je joue au touchdown vendredi soir. Super, on va dire à tout le monde de venir. Mais qui viendra pas aujourd'hui, on peut tous rentrer chez nous. Génial! Je vous avais bien dit qu'elle était pas en forme l'autre jour. On ferait bien de se tirer en vitesse avant qu'il lui trouve un remplaçant. Seulement savoir comment ça allait. J'ai la migraine, Leroy. J'ai passé une nuit blanche. Tu es malade? Non. Toi, tu t'es encore disputé avec l'autre mec. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça commence à virer à l'obsession. Je me comporte comme une véritable idiote. Ça ne me regarde sûrement pas, mais je pense que tu devrais le jeter. Au début, ce sera dur. Mais après, ça ira mieux. Je voulais te dire que je vais jouer demain soir au touchdown. C'est bien? Ça me ferait plaisir que tu viennes. Je viendrai. Au revoir. Au revoir.
Salut, moi c'est Franck, j'aime mener la belle vie. Pour moi, travail rime avec plaisir. Et avec moi, on ne s'ennuie pas. Je passe mes hivers en Suisse. Et mes étés au soleil. On va prendre du bon temps tous les deux. C'est trop marrant. Tout ce que j'attends, c'est la femme de ma vie. Oui, allô? Je te l'avais dit, un playboy. Ah oui, c'est pas mal. Faut voir ce que ça va donner. De quoi tu parles, avec une cassette pareille, c'est dans la poche. Ah ouais, là tu vas emballer sec. Tu te fous de ma gueule, toi? Eh non, je parle sérieusement. Sérieusement, pas possible. Vous avez filmé où? Une partie à Hawaï. Et l'autre en Suisse. En tout cas, c'est super bien fait. Et, ouais, et si ça marche pas, ça marchera jamais. Ben, ça me fera un bon souvenir pour après. Mais qu'est-ce qu'il fout? Il va venir, pas de panique. Va bien. Tu lui as parlé? On est passé le voir hier. Depuis que son père est mort, il n'a pas le moral. Vous savez où il est? Non. Il devrait être là depuis au moins une demi-heure. Ouais, je sais. Bon, ben moi je l'appelle. Bonsoir. Tu ne chantes pas au bar? J'y suis pas allé. Pourquoi? Le courage m'a manqué. Ne reste pas là. Entre. Je sais pas ce qui m'a pris. Ça arrive à tout le monde. Ça m'embête pour Eric. Il a accepté de me filer un coup de main. Et pour le remercier, moi je le plante. Oh, ça m'étonnerait qu'il t'en veuille. Tu n'allais pas venir? Je voulais, mais j'ai pas le moral. Henri est passé tout à l'heure. On a eu une grosse engueulade. Il m'a dit qu'il voulait qu'on rompe tous les deux. Et moi, comme une idiote, je l'ai supplié de rester. Alors qu'il m'a dit qu'il ne voulait même plus me toucher. L'autre jour, il m'en est arrivé une belle. J'ai rencontré une fille, vraiment très très mignonne, de l'allure et tout. Elle m'a plu tout de suite. Et alors? C'était une call girl. Tu t'es bien fait avoir. Dans un autre contexte, ça aurait pu se passer différemment. Thank you.
boulot, on devrait déjà avoir commencé. Qui a le plan de travail? C'est moi qui l'ai. Bon, parfait. On démarre dans 5 minutes. Anne, quand tu veux pour ton projet. Si possible, avant l'année prochaine. Betty, est-ce que je peux te parler? Vas-y. Est-ce que tu peux oublier ce qu'il y a eu? C'est déjà fait. Je suis vraiment un abruti. Mais non, dis pas ça. Bah, à bientôt. À bientôt. Tous les détails dans notre édition. La bourse a clôturé à la hausse pour la 4e fois cette semaine. Entrez. Malgré les prévisions alarmistes. Bonsoir. J'aimerais te présenter Jackie et Tommy. Et voici Brigitte. Enchantée. Franck m'a dit que vous produisiez des films. Ça nous arrive parfois. Vous ne vous asseyez pas? Non, j'ai réservé une table au restaurant. On est passé faire un petit coucou. Bon, bah allez, bonne soirée. Bonsoir. Hey, vous aussi. Première heure, je vais voir ton pote Alex. À la première heure, je te dis. De l'argent sur cette note. Ce n'est pas une de mes tables. Tu en es bien sûr? Oui. Mais alors, pourquoi as-tu pris cet argent? J'y ai pas touché. Anne, dis-moi la vérité. C'est pas moi. Je t'ai vu faire, Anne. Je t'observe depuis plusieurs jours. Alors, pourquoi fais-tu ça? Pourtant, je te faisais confiance. Excuse-moi, je sais vraiment pas ce qui m'a pris. Mon père a perdu beaucoup d'argent dans son travail. Et c'est pour l'aider que j'ai fait ça. Tu aurais pu m'en parler, non? Excuse-moi, Eric. Dans ces conditions, je ne peux pas te garder. That's where I go.
Daphné, je vais rendre visite à Guy. Mais et l'examen d'histoire? Si je le vois pas maintenant, je resterai 2 semaines sans le voir. Dis au prof que j'ai de la fièvre. Est-ce que tu bosses ce soir? Ouais. Ah, c'est dommage, j'avais envie d'aller faire un petit bowling. Non mais t'as vu? Mais quel culot elle a, celle-là. Laisse-la, elle s'est fait prendre en train de voler au bar. Attends, tu plaisantes, David? Non, ne le dis à personne. Bah, à qui tu veux que je le dise? J'arrête pas de tourner en rond. Je craque. Il n'y en a plus pour très longtemps. Je t'ai apporté des friandises. J'ai pas d'appétit. Dire que je suis là parce que j'ai tabassé un mec qui faisait du zèle, j'ai l'impression de vivre un vrai cauchemar. Ici, je suis entouré de types qui ont commis des cambriolages ou bien des vols à main armée. Ils ont leur pognon en lieu sûr alors que moi, il me reste rien. Mais tu pourras tout recommencer. Je peux faire beaucoup de choses. Toi, ça va? Ouais, ça va. Je me suis inscrite à des cours de peinture et je m'éclate. Génial. T'as bien fait. Est-ce que ça se passe un peu mieux ici? J'aurais bien voulu, mais la bouffe est toujours aussi dégueulasse. Tu verrais ça, de la vraie merde. T'en veux un? Non, pas tout de suite. Ce matin, on a reçu une lettre du lycée. Ils disent que si tes notes ne s'améliorent pas, tu ne seras pas diplômée. Ils disent ça à tout le monde. C'est très sérieux. T'en fais pas, je sais ce que je fais, alors laissez-moi tranquille. Si tu abandonnes tes études, ne compte pas sur nous. De toute façon, je vois pas ce que ça changera. Tu pourrais avoir un peu plus de respect. C'est ce que ton père endure en ce moment. Il n'a pas besoin d'ennuis supplémentaires. Dis donc, t'es au courant pour Anne? Eric l'a virée du bar parce qu'elle piquait dans la caisse. Mais arrête tes conneries. Je te jure, c'est la vérité. Qui te l'a dit? J'ai mes sources. Comment t'es au courant? Tu sais, si tu me crois pas, t'as qu'à aller vérifier au bar. Je te l'ai dit qu'elle t'apporterait que des ennuis. Tu pourrais avoir de la compassion. Ethan, c'est pour ton bien que je dis ça. C'est la première fois que je le voyais comme ça. Ça fait plusieurs jours qu'il ne mange rien et il m'a à peine parlé. Le pauvre, j'aimerais pas être à sa place. J'ai essayé de lui remonter le moral et de rigoler. Il n'arrêtait pas de râler, alors j'ai préféré partir. Vous avez discuté de ce que vous ferez à sa sortie? On n'a pas eu le temps. Il n'avait pas vraiment la tête à ça. Salut. J'ai un service à vous demander, les filles. Est-ce que je peux m'associer à votre projet? Je ferai tout ce que vous voudrez. On a déjà rendu notre scénario. Vous pouvez dire à Betty qu'on l'a fait ensemble? Non, elle ne nous croira jamais. Oh, soyez sympa avec moi, allez. Anne, je suis vraiment désolée, on ne peut pas prendre le risque. Quelle sans-gêne, t'as vu ça? Elle nous prend vraiment pour des poires, faut pas exagérer. Super, tu as vraiment fait de gros progrès. Vous pouvez commencer à ranger, il vous reste 10 petites minutes.